Oh, ça va, il était très très simple. Fallait juste le bolos. Juste le bolos dans un coin. Oh la vache. Ça m'a pris quelques essais, honnêtement. Ça a pris une trentaine de minutes en tout à le tuer. Honnêtement, en conseil, j'ai pas grand-chose à vous donner à part. Apprenez son pattern, utilisez les piliers aussi, ça peut vous défendre contre ses attaques. Mais ouais, chaud, chaud. C'était cool. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Mon dieu, j'en peux plus déjà. Je viens juste de recommencer. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré ça. Augmente les emplacements de mémoire. Intéressant. Et on le met où? Des monolithes. Enfin, c'est un monolithe. C'est dans objet clé. Ah, on a toujours un emplacement de mémoire en plus, c'est ça? Je vais voir. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On a automatiquement un emplacement de mémoire en plus. Juste à avoir tué le boss et à récupérer l'objet. Ça, c'est sympa ça. Bon, bah on va continuer notre petite excursion. J'ai changé de casque aussi. Il a un peu plus de défense. Ah, c'est super grand. Il y a des trucs qui se cachent. Il y a un crabe. Ah oui, j'ai pas de potion pour. D'accord, ouais, bon, on va. Désolé. J'ai pas de potion pour les PC, on va la changer, ça. Pour le boss, j'ai dû l'enlever, j'ai dû mettre vraiment que du soin. Voilà. Il y a aussi le saignement qui a bien fonctionné sur le boss, le loup. Ça a fonctionné le saignement. Du coup, on peut invoquer. Je sais pas, ça. Il y a des crabes partout. Ah oui, non, il n'y a pas que des crabes en fait. Alors eux, ils tapent et ils balancent des bombes. Les autres pantins, ça... Ah tiens, j'ai oublié de récupérer mes âmes. Ah mais là, ils vont disparaître les machins. Enfin, mes âmes, j'ai pas d'âme en fait. J'ai pas d'âme par terre, c'est pas grave. Ah, comment je monte? Ah! Comment on monte? J'ai pas le double saut, j'ai pas le cheval. Ah, voilà. Clé lame de pierre, cool. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ok. C'est quoi ce machin?
Merde. Merde. Ah, ah, on passe un mauvais quart d'heure. Ça m'a tué, ça m'a tué. Ah. On a 14 000, j'ai pas vu. On peut augmenter quelques niveaux là. Faut absolument les récupérer. Encore eux qui font pas le même système que... C'est quoi, c'était Bloodborne qui faisait ça? Ou les monstres en fait récupéraient votre sang et devenaient plus puissants, il fallait les tuer pour le récupérer. Ah, c'était à la bonne époque ça. Alors, on peut faire... je sais pas trop. Esprit, c'est pour les PC. Pour augmenter un peu l'endurance, charge maximale, bof. On peut augmenter encore la dex. On va faire un perso... Je sais pas si on va faire vraiment un perso dex. Je pense peut-être un perso équilibre. On va voir. En fait, ça va dépendre des armes surtout. C'est pour ça que je veux pas trop monter de niveau. Ça venait d'où? Ah, ça venait de là, ok. Ouais, c'est juste que ça expose son point faible en fait. Par contre ça c'est vachement bien les trucs qui tirent en continu, du coup ça... On a une grande chance voilà de faire ça en fait. Merde, oh bien. Merci le tireur. Cool. Bien joué. Ils attaquent les crabes ou pas? En fait, ils attaquent pas du tout. Par contre, les gens, oui. Bah, quoique, en fait, non, les paysans, ils attaquent pas. Donc, Sauf si on les dérange en fait. Bon par contre mon pantin il s'en tape. Hein. Il attaque tout et n'importe quoi. Ce qui est pas mal c'est qu'il reste loin. En fait c'est bien ce système de pantin là. Celui-là qui tire. Peut-être pour les lieux comme ça c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh merde. Oh mon dieu, je peux pas me dégager.
Par contre, faut voir pour tirer des boules de feu, genre sur des trucs comme ça, là. Il tank encore un peu. Merde! Sommeil! What? Yes. Oh, tu gères. Œil de crabe. Pas mal. De crabe. Œil de crabe, c'est pour le craft. Ouais. C'est pour le craft. Ouais, les boules de feu, il faut quoi pour les utiliser? La flamme en rien. Faut un bâton. Parce qu'un bâton, on a. Ah, mais je sais pas si on peut. Ah non, non, c'est pas de la. Non, non, c'est de la foi. Ah, c'est fini en fait le coup du. Le coup de la main de feu là, tout ça. Non, non, c'est de la foi en fait. Ouais. Ça, ça peut être pas mal ça. Bon, t'es en train de tuer quoi toi? Ok, cool. Et il fait sa vie, hein, il défonce tout le monde. Dans les builds que j'ai fait dans Dark Souls, il y en avait un que j'aimais bien, c'était la foi, c'était une sorte de paladin. Paladin quoi? J'avais dit quoi? C'était paladin. Genre déchu. Ah, et il avait de la foi, mais il avait aussi. Enfin, il avait de la foi, genre des soins, des trucs comme ça. Mais il avait aussi les pouvoirs de ténèbres, là, dans Dark Souls 3, là. Mais c'était de la foi aussi. J'aimais beaucoup ce build. Il était très résistant et tout ça. En coop, c'est vachement bien. Graine dorée, yes, ça c'est bon ça. Par contre, on peut rien faire avec ces arbres. Hein. Ouais, non, on peut rien faire. C'est juste pour indiquer qu'il y a une graine. Elle est où l'arnaque? Aïe 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 aïe. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai plus. Non, non. Me tue pas, je t'en supplie. On va peut-être d'abord prendre l'objet en fait. Oh mon dieu, il est rapide ce con. On va aller prendre l'objet si jamais ça se passe mal. Comme ça on aura pris l'objet. Il est méga rapide. Ah, par contre, on peut plus ou moins passer en dessous de lui ou sur les côtés quand il tape. Parce qu'il se lève en fait. Donc, du coup, ça c'est. Ouais, ça rince le truc un peu simple. Faut juste prendre l'habitude. On va pas tomber. Là ça fait vraiment très très Dark Souls, hein. Là ça fait genre Anor Londo, les trucs comme ça. Genre la cité dans le 3 là. La nouvelle Londo. Non. Je commence à...
à confondre. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On prend le pont là sur la droite? Ouais. Non. Oh non. Sérieux? Plateforme. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Maintenant on peut sauter. Oh mon Dieu. Non mais sans déconner quoi. Il y a un objet. Oh, attends. Par contre, il y a une grotte là. Ouais, là, il y a un objet intéressant par contre. Je sais pas. Après, elle fait pas tout l'escalier non plus, donc ça devrait pas être très compliqué de la prendre. Alors, utiliser un remède des doigts accrochés pour révéler les marques d'invocation des joueurs d'autres mondes. La marque dorée représente les alliés, les rouges, les adversaires. C'est sur une vidéo, le but, ok, ça marche. Dépêche. Ah, on est bon. Oh. Oh. Oh, dis-moi que c'est un raccourci. Non. Ouais, non, mais attends. Mangroom chevalier de Caria. D'accord, ok, cool. Je peux parer. Il me reste combien de pouvoir? Il m'en reste 0, tu vois. Je sais pas si ça marche encore. Ça a l'air, hein, mais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Voyager vers un autre endroit. Bah, de toute façon, cet endroit, il est un peu pourri. Enfin, on n'a pas de soins, rien. Je voudrais bien, en fait, trouver un feu. Ce serait cool. Lurnia centre, locustre. On est ouf. Ok, on n'est pas merde, on n'est pas extrêmement loin. Ah, du coup, on est de retour à l'extérieur. Oh! Oh, ça ferait un raccourci. Monter de niveau. On peut pas. L'église des vœux. On a un coffre. Aiguille de couture en or. Et nécessaire de couture dorée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut qu'on augmente nos fioles aussi. J'ai pas testé la torche. Si elle avait une attaque. Pourquoi je trouve pas... Ah là, putain, je suis con. Aiguille de couture spécialement conçue pour les atours des demi-dieux. Tu étais dans l'objet unique conçu pour retoucher les atouts des demi-dieux. Elle était l'un des outils
portée par Radagon lorsqu'il se maria à Rhenala, reine de la pleine lune, et rejoint le signe de Caria. La lignée des de Caria. Oh tiens, on a un mec rouge Caria à tuer. Offert par Radagon, hein, ce séisme de tout demi-dieu pour être touché auprès du site de grâce. Quoi? Alors, modifier les vêtements. Non. Attends, modifier, mais comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Genre le skin? Dépenser 50 runes et modifier l'objet pour obtenir le résultat sur armure des terres des roseaux. Altérer. Oh, ah oui, si, ça modifie le skin. Parce que nous, on a la version altérée. Et là, c'est pour la remettre normale, du coup. Intéressant. Je dis pas non, mais bon, là, on la met plus, donc est-ce qu'on veut vraiment... Est-ce qu'on veut vraiment... Ouais, bon, on a qu'à tester. Fais voir. Alors. Si on se remettait un peu en samouraï. Alors, ça, c'est l'armure qu'on a altérée. Fais voir. Et après, on peut la remodifier en altérée. Ah, maintenant, il y a ça. Ouais, bon bah c'est pas top. Merde. C'est pas top en fait. Je vois. Ouais, bof. Enfin, c'est sympa, mais... en fait, c'est bien parce que du coup, on aurait des variantes, en fait, pour les armes. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ah, mais il y a une tortue! You're tarnished, aren't you? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Je ne la connais pas. Well, that is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. C'est quoi son nom, Genbu? It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined. By the matrimonial bond between red-haired Radagon and Rhenala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Earth Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Okay. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Mon Dieu, donnez un parchemin pour de Radagon. You wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion. Possessed of flowing red locks, he came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Rhenala in battle, he soon repented his territorial aggressions there, and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Rhenala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and King Consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day.
as to why Lord Radagon would cast Lady Rennala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Mm-hmm. Attends, déjà, qu'est-ce que tu m'offres? Ça sonnait une attaque large à l'aide d'un espadon magique. Crée un sceau qui tire des lames éclats après un certain temps. Incantation. Accorde une bénédiction au lanceur et à ses alliés proches. Oui, mais accorde une bénédiction qui fait quoi? Quand une bénédiction au lanceur et à ses alliés proches, restaurant peu à peu leur PV. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à prier et retarder l'activation. Autrefois, eh bien fait, semble à des larmes pleuver de l'arbre. Non, mais cette incantation n'est qu'un écho de leur pouvoir. Donc c'est un régène en fait. C'est un régène sur tout le monde. Donner un parchemin. Ah oui, peut-être que lui il peut apprendre des trucs. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Yeah. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Toi, je t'aime bien, toi. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Très bien, alors. Fragment et pierre d'éclat rapide, fragment. Grand fragment de pierre d'éclat. Et on a comète de pierre d'éclat. C'est-à-dire une comète magique à queue. Vous pouvez lancer le sort plusieurs fois tout en vous déplaçant, chargé augmenter sa puissance. J'ai l'impression que les magies vont être vraiment sympas aussi dans Elden Ring. Nous, je sais pas si on va vraiment faire de la magie. Encore une fois, si on peut reset le perso, honnêtement, je ne serais pas contre. Plus tard. Chargez-le pour accroître sa puissance. Mais ouais. Ouais, c'est pas mal ce qu'on a eu. On va le prendre, éventuellement. You know, it's said that Lord Radagon harbored a secret. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radagon's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. You wish to know more of Lady Rennala? She is queen. Head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her, and then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Okay. Expier. Ah, ça c'est peut-être quand on a. Genre quand on a tué des NPC. Ou alors quand on est fâché avec des NPC parce qu'on l'a fait des dégâts. Donc on peut plus leur parler. Possible que ce soit ça. Ah ouais, mais du coup on peut revenir ou pas, non? Ah merde, on peut pas revenir où on était. Ah merde alors. Église des vœux. C'était où? C'était là? Grande porte. Non, ça c'est le début. Ça c'est coucou, ça avant le boss, je crois. Je crois que c'était là. Parce que je voudrais bien finir, parce qu'en fait, je suis par. Enfin, j'ai dit oui. Parce qu'on n'avait plus de soins, plus rien, quoi. Mais en fait, moi j'ai bien envie de finir l'endroit. Ok, donc c'est là. Euh,
Après, je sais pas si je vais peut-être faire des sessions farm et tout ça dans le jeu. Je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, le vaut le coup en le faisant en vidéo, je veux dire. C'est un peu. C'est vu que c'est un monde ouvert et tout ça, maintenant. Après, il y a tellement de choses à explorer. Ah oui, il y a là aussi. Je suis même pas monté, moi. Oh merde. Ah, c'est la petite version. Saloperie là qui me tire dessus en même temps. On a eu un lag au mauvais moment. Ah, peut-être que l'attaque R2 a un plus gros dégât de posture. Peut-être. Peut-être c'est un plus gros dégât de posture. Ouais, je t'ai vu, toi. Saloperie. Putain, c'est... J'aurais dû continuer à massacrer en fait, parce que j'avais interrompu le putain de zombie là à côté. J'aurais dû continuer à faire R1 et le tuer, le prêtre. Je pensais pas qu'ils avaient des attaques comme ça là. C'est plusieurs coups en fait. Putain, mais chier. On était bien en plus. Bon, par contre, on ne peut pas faire appel à nos aides. Ah, ils sont là-haut. Putain, il m'a donné un coup de tête. Ok, très bien. Rapière de noble.
intéressant. Attaque sautée, hein. Attaque sautée qui aide beaucoup. Ok, alors, fais voir un peu. Quoi ce bruit? C'est le truc qui roule là? Ouais. Okay. Alors là, on a des manchettes de sorcier. Costume d'aristocrate altéré. Doré et abandonne leur vie. Hein, ok, intéressant. Enfin, je devrais lire en fait, quoi, complètement. Costume de tissé qualité ornée de fine. Broderie dorée, habit de voyage porté par les nobles de la capitale. Extrêmement abîmé et déchiré. Ayant abandonné leur ville natale après l'éclatement. L'éclatement, ça doit être une grande guerre en fait. Enfin, c'est, oui, c'est la grande guerre qu'ils nous ont expliqué. Les non-morts errants sont le triste résultat de la vie éternelle. On a une rapière, estoque portée par les nobles errants, conçue pour être simple d'utilisation, recouverte d'or de la pointe jusqu'au manche. Cette arme devrait valoir une belle somme. Ouais, empalement. Ouais. Nous, on peut faire de l'estoque. Mais j'ai jamais aimé ce genre d'arme dans les Dark Souls, mais on peut... Elle est jolie, hein. Elle est super jolie. Elle est très très belle. C'est quoi tout ça en fait? C'est pour du craft? Non. Permet de sectionner une affinité d'armes. D'accord. Attends. Alors, pire des cas pour l'émission 1, peut servir de couteau à aiguiser. Lorsque vous appliquez une affinité au moyen de sang de guerre de catégorie physique ou magique, vous pouvez choisir une affinité supplémentaire, magique ou glace. Donc on a eu magique ou glace. Et ouais, faut penser que on peut sauter. Genre là, je pourrais aller sur les toits, par exemple. Oh, putain, faut que je pense à ça. Je sais pas si j'ai encore vraiment, si j'ai vraiment le réflexe en fait de le faire. Là, on doit sûrement pouvoir ouvrir. Raccourci. Ah, parce que là, c'est encore plus poussé en fait que les raccourcis à la Dark Souls, vu qu'on peut sauter. Dites-moi que les gargouilles n'existent pas dans ce jeu. Ah non, il y a pire.
L'arc rend les choses cool. C'est pas facile. Elle rend les choses juste sympas à faire en fait. Il y a des cloches. Alors, fais voir un peu le casque. Homme cylindrique, fait de plaques de métal renforcées au moyen d'un treillage. Porté par les soldats pantins, des êtres conçus pour servir les sorciers, le couvre-chef et d'une facture qu'on ne peut plus. On ne peut plus grossir, pardon. Enfin, pour une marionnette, seule impose sa robustesse. On va apprendre à faire des phrases. Enfin, à lire des mots et à lire des phrases. Il y a un mec là-bas. Quand on a encore des objets en bas. Ah. On y était là ou pas? Je dirais que non. Il y a un objet. Ça me dit rien qui vaille. Ah non, ça me dit rien qui vaille. Oh là 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 là. Mais putain, arrête de me tourner autour. Merci, l'autre il est activé. Ah ouais, non, on a un super, super magicien. Quoi. Est-ce que le truc est mort ou pas? Je veux pas en aggro plus en fait. Ah, ça me suit. Hein. Voilà. Ça y pète un câble. J'entends des bruits. Je me demande si c'est pas l'autre qui est quelque part. Bah voilà. Je crois qu'il vient de mourir. C'est quoi ça? Météorique? Ah, c'est peut-être des carreaux magiques. Alors. Okay, on peut encore descendre. Par contre, il y a un toit là. De toute façon, on peut pas y accéder.
Ça m'étonnerait qu'on puisse... Ah, quoique, on peut peut-être sauter de l'autre côté, je sais pas. Pour l'instant, on fait du simple. On descend. Oh, doucement, putain, j'ai cru qu'il allait tomber, quoi. Ah, fait chier. Ah, j'aime bien, il reste accroupi pour l'arc. J'aime bien parce que quand il s'énerve, il tire dans toutes les directions, mais il cible pas, en fait. Il tire même dans la... tout le temps les mêmes directions. Oh merde. J'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Ouais, là c'était un peu dangereux. Ça pour ça. On va où maintenant? Voilà. C'est méga grand. Lame clé imprégnée. On a une entrée. Dis-moi qu'il y a un truc pour se reposer, parce que là c'est un peu abusé quand même. Les crabes. Pierre de forge sombre. Ah, là ça commence à être stressant par contre. Parce qu'on a, on a rien pour... pour se reposer. Active un portail de téléportation mais disparaît après utilisation. Clé à briser un saut de statue Diablo. C'est quoi ça? Un crabe cristallin? Bon, par contre, je crois qu'on est arrivé à la fin du bas, donc on va remonter. J'entends des bruits. Alors, on peut aller là. Ah, merde! Yes. Là, non? Ah non, j'ai cru que c'était une arche en fait. Genre dessin d'une arche en muré en fait. Et peut-être qu'il y avait un genre un feu à l'intérieur. Bon, du coup. Ah, il y a un objet là. Putain.
On a combien d'âmes? 8000, oh là là. C'est quoi l'objet là qui nous permet de garder nos âmes si on meurt? En cas de mort, cet objet est perdu à la place de vos runes. Bah, on va pas le mettre. Enfin, quoique, j'en sais rien en fait. Le moindre faux pas, c'est la mort. Hein. Ça, c'est bien. Ah, par contre, là, on va moins rire pour remonter. Ça va. Là, tout devient extrêmement stressant, en fait. C'est bien. Bon, on va là. Je vois des gargouilles là. Quelle merde. Mon Dieu. On peut rentrer. Y a rien d'autre à faire? Genre là, on peut pas monter, non. Oh mon Dieu, t'es sans déconner quoi. C'est de pire en pire. J'ai envie honnêtement de mettre... J'ai vraiment envie de mettre le truc si on meurt. On perd pas nos runes, on est à 8000 et quelques. Je sais pas. Ah, on peut descendre là. Par contre, j'ai vu qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait des objets.
Donc on peut pas descendre maintenant. Alors je me dis, est-ce qu'il faut tomber dessus ou il faut couper les cordes? Je pense qu'il faut tomber dessus. Cool. On a un magicien là. On n'est pas bon. Pourquoi tu me passes à travers, saloperie? Merci. Parfait. Quand vous voulez, hein, vous me redonnez des flasques. Hein. Quand vous voulez. Hein. C'est pas que ça commence à être chaud, mais... hein. Ça commence un peu à être... Bonjour. Faut le faire tomber, l'échelle ou pas? Déployer l'échelle. Pourquoi je peux pas le faire? Yes. Cristal brisé. J'ai pas vu de... Y'a un mec là. Les portes elles sont ouvertes mais on est où exactement? Genre on peut y aller à la cathédrale? Ah si, attendez, je me rappelle de ça. Non? Je me rappelle plus. Je doute en fait si on a vu cet endroit ou pas. Bon, en tout cas, pour le moment, on se débrouille très bien. Faut continuer. Pff, putain, c'est stressant tout ça. Ouvrant les portes scellées, on a eu quoi, nous? Ouvrant les deux portes scellées. Ouvrant les deux portes scellées. Okay. Donc c'est la même clé. Créer une masse de cristal qui explose vers l'avant. Ouais, carreau magique. Ah oui, on a eu ça. Couronne de pierre d'éclat de sorcier bicéphale. Alors, augmente grandement l'intelligence au déprimant des PV et de l'endurance. Voilà. Intelligence, on passe à 15. Donc on est à 9, donc ça fait 6. Ouais, c'est intéressant. C'est quoi ça? Oh mon dieu, regardez derrière quoi. Oh mon dieu, ça va vite. Il a l'arbalète qui tire 3. Merde! Mais putain, je me suis bloqué contre le mur, bordel de merde! Ah. On a fait un sans faute. Et là, je me suis bloqué contre le mur, comme un débile.
Aïe 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 aïe. Là par contre on pourrait peut-être la mettre du coup. Comme ça, si jamais on meurt, on perd pas normalement les âmes. Elles resteront au sol. Je crois. Comme Dark Souls quoi. Par contre, on a libéré une ouverture, mais une ouverture où ça? Enfin, on a fait tomber une échelle. Oh. Oh là là. Je sais pas. On va pas se retaper tout le chemin quand même sur les toits. Tu vas pas me dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas débloqué. Je vais tenter là. Je vais pleurer. Aïe 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 aïe. Ah, tu m'as vu. Genre là, non. Oh putain. Mon Dieu, tu fais mal. La boule. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je peux pas le faire écraser par la boule? Aïe aïe aïe. Non mais sérieux quoi. On va perdre 8000 âmes quoi, enfin 8000 runes pour rien. Enfin pour rien, non si on a avancé mais ça fait chier quoi. Je suis même pas sûr que ça marche en fait. Si c'est comme dans Dark Souls, oui normalement oui mais bon. Putain, ça me rend fou d'avoir avancé comme ça et d'être... Ah, attends. Parce que là, il me montre que c'est juste là. Il y a sûrement quelque chose qu'on a débloqué. Il faut que je trouve l'endroit, en fait. Il faut absolument que je trouve l'endroit. On a une grande cathédrale avec un mec en plein milieu. Je suis sûr d'avoir vu les portes ouvertes, déjà. Quelque part. Et on a débloqué l'échelle. Ah, c'est là! Yes, c'est là, c'est bon. Oh mon Dieu, non, pas de... Yes! Parfait.
Comment je t'ai pas touché, toi? Merde, c'est pas ça, on est sur le mauvais truc, voilà. Ah, on la joue sécure, là, par contre. Bon, y a que lui qui casse des machins, parce que j'ai l'impression que ça tire beaucoup. Ah, c'est un gros magicien, lui. Parfait. Vous imaginez si on n'avait jamais ouvert le raccourci? Ah ouais, mais... Oh, non! On y est. C'est très con ce que je fais. Bon. Je voulais en fait descendre, mais j'avais peur de sauter. Honnêtement, je pense que j'aurais pu sauter. Et survivre, je pense, honnêtement. Mais bon, on a nos âmes et tout ça, on sait où il faut aller, donc ça va. Faudrait vraiment les récupérer et les utiliser, en fait. Ah, elles sont juste au-dessus. Juste... Mon Dieu. Mais c'est tellement la mort de monter là-haut. Enfin, de monter là, oui, mais... Oh putain, il y a un truc encore. On arrive, on est agressé, quoi. On est pas mort. Yes. Oh mon Dieu, il me faut une pause, moi. Pfff. Il me faut une pause. Je reviens. On est de retour dans notre petite chapelle. Qu'on a déverrouillé pas mal de choses. Ce qui fait chier, en fait, c'est toujours ça, là, les deux trucs et le magicien. On peut pas tracer et prendre l'échelle, en fait. On peut tracer et le défoncer, lui. Ok. Quand ils font... Putain, je suis bloqué. Quand ils font ça, on est... Ils sont invincibles. Enfin,
sont pas invincibles, on peut pas les déstabiliser. Ah putain. Ouais, là. Faudrait vraiment que je teste clavier souris si c'est pas mieux. Pour certaines combinaisons de touches. On verra ça plus tard. Bon, on est toujours. On est bon. On va peut-être. Juste pour un peu plus de défense. Par contre, on a un con qui est là. Après, on a un magicien. Un con qui est juste à côté de l'échelle. Après, on a un magicien. Ah ouais, d'accord, ok, cool. Wouah, mais... La... Truc, quoi... Mais... Comment ? Ouais, enfin, je peux... Je peux complètement... me reposer, quoi. Je vais juste voir ce qu'il y a là, parce que je sais pas si on y allait, en fait. Si, on y allait, oui. C'est où c'est, où est-ce qu'on est arrivé, en fait. Ah, t'es descendu. Ah, putain. Alors après, si on peut faire tout le temps ça, c'est intéressant. Oh la pute! Oh, il va me tuer. Vache quoi. Bon bah du coup on est bon quoi. On a juste plus de fioles, c'est bien. Ça va bien se passer. Bon, l'extérieur on s'en fout. Quoique l'extérieur, je crois qu'on peut sauter par-dessus des trucs. Bon. Il y a là, il y a lui qu'il faudrait se faire. Non. C'est horrible ces carreaux. C'est comme que comme ça qu'il peut tuer. Catastrophe. Bon, on a un bon début. Est-ce qu'on peut faire venir lui, genre?
serait vraiment bien en fait qu'ils descendent. On peut peut-être les faire comme ça petit à petit. Ça va prendre du temps. Le truc, c'est que si à chaque fois on... ça se finit mal, on va devoir tout se retaper à chaque fois. Ça, c'est chiant. Bon, toi, tu me fais un peu chier d'être là. Ok, si on peut faire ça à chaque fois... Maintenant, il n'y a plus de tireur. Donc, hein. Non, lui, il faudrait le faire venir. Comment... Il nous a vus. Ouais, il nous a vus. Yes. Progression. Pourquoi on a perdu de la vie, je sais pas. Pour moi, on s'est pas fait toucher. Alors lui, comment on va faire? Ah bon, on avait 3500 quand même. Putain, ça suit et tout, quoi. Oh la vache! Ouais, d'accord, si la première te touche... Oh là là, faut tous retaper... Putain, ah, ça rend fou, quoi. Le mec, c'est une catastrophe en fait. Par contre, on va peut-être faire des flèches. On a des quoi? Des flèches magiques. Flèches en os. Ça fait combien de dégâts les flèches en os? 35. Eh bien. Mais ça fait le tour du pilier, quoi. Oh mon dieu, les tournants que ça prend, la magie. Ah, bien, 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 bien. C'est nul. C'est nul. C'est pas le toit que je veux. J'aime bien, j'adore, j'adore le... Caméra qui voulait pas lock en fait. C'est top.
bloqué contre un mur. On va refaire exactement la même chose, c'est plus ou moins safe, mais c'est un peu long à faire. Ah ouais. Cool. Parfait. Épée de pierre d'éclat de lazuli. Garde sortie de pierre d'éclat, manier des unités 15-1, spéron maîtrise sorcellerie car... Fait des dégâts magiques, il semblerait que cette arme faite de bois servait autrefois de bâton de sorcellerie. Flèche de pierre d'éclat. Faut de l'intelligence. Elle fait des dégâts magiques, faut de l'intelligence et puis son attaque spéciale, c'est un tiers d'éclat, c'est pas mal. Arme polyvalente, c'est cool. Enfin, arme qui fait pas mal de choses, c'est cool. Bon, lui, on va peut-être arrêter de faire de la merde. Honnêtement, je sais pas comment le combattre. J'ai envie de le faire tomber en fait. Oh putain, ça va pas loin. Ah bon, vraiment pas loin ces flèches. Ah, il peut pas venir là. Ah, c'est des... Si, il peut. Quoi ça? Il va me gaver lui, il va me gaver. Juste quand j'essaye de le parer, il me sort une attaque de merde. Oh, j'en ai marre.
C'est des flèches de poule en fait, c'est même pas des flèches de dégâts là par contre. Je crois que j'avais pas pris mes âmes. Quel con. Oh non, je crois que j'avais pas récupéré mes âmes. J'avais complètement oublié. J'étais tellement concentré à... Oh mon dieu, on peut pas aller plus haut. J'étais tellement concentré... Je crois que j'ai pas pris mes âmes. Oh non. Ah le truc quoi. Je crois que c'était à peu près 3000 ou 4000. Je peux pas le massacrer lui. Ah, voilà, on peut faire ça. Ah non, non, ça va, je les avais pris. Je sais pas quoi faire. Pas autre chose à faire, à fouiller. Genre on a tué un super loup et tout et je bloque avec ce mec quoi. Ouais, même ça, ça va pas assez loin. D'accord. Quand le bout est en feu, c'est quand il va tirer, je crois. Oh mon dieu. C'est Aveline. Ah, la distance. Faut que je le massacre en fait. Je sais pas, faut que j'y aille à deux mains. Parce que de toute façon, j'arrive pas à. Enfin, je teste pas. Il faudrait que je le pars aussi. Oh, ça me rend fou ce truc. C'est pire qu'un boss quoi.
Puis c'est tout le bordel qu'on doit faire en fait pour s'en rendre. Pour y arriver quoi. Après je me dis, si on descend, on le fait venir et on descend direct. Est-ce que c'est pas mieux? On combat en bas. Genre on peut peut-être faire un truc comme ça. Après on a des couteaux de lancer aussi. De la merde ces flèches hein, quand même. Ah non. Mince. Après le problème c'est de le faire descendre en fait, parce que il a quand même une arbalète qui tire très vite. Hein. J'arrive pas à me défaire. Ça va méga loin ces merdes. Merde. Oh, lui il me touche. Oh non. Pourquoi il tire qu'une fois?
Il est passé où? Il est remonté? Il est passé où? C'est ça qui va me tirer des carreaux dans le cul. Bon, il est parti apparemment. On va en profiter. Je sais pas, il doit faire le tour en fait. Bâton d'éclat d'azur. Je me demande ce que c'est l'histoire par rapport à ça. C'est très beau en tout cas. Et ma question c'est, est-ce qu'on a tout fait ici? Est-ce qu'on peut partir ou pas? Toujours le mec à son arbalète là qui traîne. Faudrait le tuer hein, parce que peut-être qu'il drop l'arbalète, hein, c'est pas. On peut se laisser tomber. Ah, on peut soigner sur la... Ouais, on peut faire ça. On peut soigner sur l'échelle aussi. J'avais oublié ça. Il est où le mec? Moi je veux le tuer quand même, on sait jamais, il y a peut-être un bon objet en fait à la clé. En tout cas, nous on a récupéré la clé de l'académie, c'est ça ? Sertie d'une pierre d'éclat turquoise, seuls ceux qui ont été jugés dignes sont autorisés à porter ce bâton. Bonus sorcellerie, 60. Ah non, bâton d'éclat d'azur, bâton d'éclat... bâton d'azur de sorcier originel, seuls ceux qui ont touché à l'impénétrable sagesse des pierres peuvent le porter. Réduit le temps de canalisation de toutes les sorcelleries, mais augmente leur coût en PC. Intéressant. Stylé. Destillé. Je crois qu'on a fini ici, honnêtement. Je vois pas d'autres endroits en fait qui nous manquent. Je vois pas pourquoi on a encore des traits. Par contre, je voudrais bien. Ouais, aller le tuer en fait. Si on allait un peu à table ronde. Je sais pas trop quoi faire en fait ici. Je crois qu'on a plus ou moins tout fait. Ah,
You appear to be doing well. Very good. Well then. Dégâts de feu, dégâts magiques. Bombe de choc pour repousser les ennemis. On pourrait acheter tout ce que. On pourrait acheter tout ce qu'il propose. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a le, ouais, les stocks. Là, on en a pas. Non, on n'a pas. On peut rien faire en fait. On n'a rien de d'intéressant à faire. Faut que je retrouve. Enfin, faut que je trouve comment récupérer les titanites là de base. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu aucun. J'ai vu aucun marchand en proposer, donc ce qui est un peu étrange. Non, ça on peut pas ouvrir. On va parler à ce mec-là et on se casse. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Those who live in death should all the more. Ça marche. Those who live in Baltimore. Bon, ce qu'on va faire, on va faire un peu une séance balade. On va peut-être même revenir un peu au début. Parce que... Ouais, on va faire un peu une séance, on se remet un peu au début. Au commencement. parce que je pense qu'on a plus ou moins tout fait. À la cathédrale là, mais je suis pas complètement sûr, on fera encore un tour, mais c'est assez pesant. Donc je voudrais m'aventurer à autre part. Oh, well done. Well done indeed. You made it through that entire mess all the way to Stormvale. And off you trotted to the Round Table Hold. My sincerest congratulations. But how did you find the Round Table? Oh, you don't have to say it. Before, the Round Table was chock full of venerated warriors. But now, it's home to puff chests and has-beens. I fear you've been terribly disappointed. I don't blame you. But still, the Round Table has its perks. Why not earn a seat? Fly straight and true, so to speak. Ouais. Ah, then you're interested. A wise choice indeed. To join the Round Table proper, you must acquire a great rune. Comme ça, on le sait déjà. And request audience with the two fingers in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind, the Tarnished. Yes. Pay them a visit. So that you may see for yourself. Ok, cool. Un peu se balader. Je voudrais bien me faire lui. Alors, fais voir.
Vas-y, je te défie. T'as un gros cheval, toi. Comment tu me touches? Oh la vache. Ah, le lag aide pas. Hein. Quand vous voulez, vous tirez dessus. Hein. Oh, le lag, il me tue. Ouais, non, le lag m'aide pas du tout. Oh la pute. Ouais, non, là c'est incroyable, là, le lag. Ah, ça y est. Il peut renvoyer les flèches. Ouais, non, honnêtement, le lag il casse tout. C'est quoi cette attaque de merde? Tu aurais pas dû me toucher. Merde. Bon, il a pas l'air très compliqué. On devrait pouvoir le faire. C'est juste le lag par contre, ça me tue. Mais il était bleu. Il était pas paré. Il y a eu le bruit. C'est tellement dur de voir les mouvements quand ça lag. Non, c'est lui qui me défonce. Il a pas l'air d'avoir des attaques derrière lui. Genre le cheval il fait rien. Oh la putain de... Le dégât au bouclier quoi. Eh ouais. Ah, ça c'est débile quoi.
Allez, on continue à tirer les mecs. Yes. Bien joué. Hallebarde dorée. Bravo. Une hallebarde. Ah, on peut utiliser ça aussi, le fléau. Une hallebarde force 30. Ah, putain, on n'a pas fini. Hallebarde pesante en or massif portée par les sentinelles de l'arbre. Un ordre de chevalier en armure lourde inflige des dégâts sacrés. Rares sont les humains qui a possédé la force nécessaire pour manier une telle arme. Serment doré. Vous brandissez votre arme et jurez d'honorer l'arbre monde au combat, ce qui augmente votre puissance d'attaque et votre défense, ainsi que celle de vos alliés proches. Carrément. Okay. C'est bien. C'est pas pété. Ça peut être pas mal, hein. Cool. C'est marrant. On a récupéré combien? 6800. Par contre, le lag ici, il va me massacrer. Genre, j'arrive à rien, c'est bien. Gens qui sont crucifiés, c'est cool. Ça a l'air sympathique, hein, cette région aussi, en arrière. On devrait aller reprendre des flèches. Oh, grand bouclier de cuir. Recouvert de cuir partiellement imposant pour un bouclier de taille moyenne, bien qu'il offre une protection contre des dégâts moindres que les homologues en métal, il est plus efficace contre une multitude d'affinités offensives. C'est nouveau ça. Ouais, je vois pas pourquoi on prendrait ça. Pour en prendre 300 et quelques. Moi j'ai envie de dire au moins... Goodbye.
Comment on est? On a plus besoin d'en récupérer pendant un moment. Oh, il y a la forge ici, c'est vrai que j'ai oublié. Oh, le mouton! On se balade. On se balade sur la première zone. Aïe aïe aïe, le lag. Genre là, on peut y aller là ou pas? Genre est-ce qu'on peut nager ou pas? Genre j'imagine qu'on peut descendre. Ouais, on peut descendre. Très bien. Aïe aïe aïe, j'espère qu'ils vont vite fixer hein, ce truc de lag hein, parce que à des endroits c'est quand même une vraie catastrophe. Ah mais c'est lui. Non, enfin c'est un autre, pardon. What do you need? I don't want any trouble. Alors, on a une épée large, pas mal, pas mal. On a un arc court, un gourdin, et là on a des trucs à acheter. Un carreau, bouclier rond en métal. 71%, c'est quoi ça? Difficile le sommet accumulé, difficile le saignement accumulé. Pas mal. Il t'offre le répertoire d'artisanat. Ça marche. Alors, fais voir un peu. Alors, on a des peaux bénies. Consomme des PC et lance un ennemi pour infliger des gaz sacrés. On s'est pour créer un produit qui est magique. Oh, on peut faire des flèches de feu en os et tout. Oh, ça c'est bien ça. Des flèches de feu. C'est quoi empenner en fait? C'est trouver en chassant des oiseaux. C'est-à-dire quoi? Elles volent plus vite? Elles vont plus loin? Carreau de feu aussi. S'embrase. Ouais, c'est pas beaucoup. Je vois pas comment passer l'eau pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une grotte là. Grotte marine. Il y a un truc sur ma gauche. On a ce machin qui ressemble à rien.
Ah tiens, on peut invoquer. Genre invoquer pourquoi? Pour cette bestiole là? Oh. Ah non, c'est quoi ça? Un truc qui bouge. Ça fait le bruit d'un scarabée. Attends. Oh, c'est quoi ça? Pas de volaille à quatre doigts. Attends, moi j'ai joué à Zelda. Attends. Voilà. Centre de guerre, balayage tournoyant. Attends, moi j'ai joué à Zelda. Moi, tu me la fais pas, moi. Un truc invisible comme ça qui fait des roues. Des tours. Attends, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, octroi des affinités et compétences une arme. Balayage tournoyant, vous tenez fermement votre arme et vous campez sur vos appuis encaissant sans fléchir la plupart des attaques ennemies enchaînées avec une attaque puissante pour exécuter une large frappe. Épée de taille grande colossale. D'accord. Ouais, c'est pas pour nous quoi. D'accord. Merci le lag. Par contre, il y a un feu là-bas. Ok, cool. Tu es quoi, toi? Tu es un fou qui a tué quelqu'un, c'est ça? Oh mon dieu. Calme-toi. Ça a rien de s'énerver. Tranche de viande blanche. Sympa cet endroit sur la plage. On va faire la bestiole bizarre là, avec les tentacules. Merde, il y en a deux même. Ah, fait chier. D'accord. Pas trop enfin tu t'en fous un peu de ce que je fais là. Oh le cas. Est-ce que on peut, c'est dégueulasse ces machins. On peut faire du saignement. Crac, toutes les flèches qu'il y a, quoi. Non, t'es pas mort. Et le cœur, c'est un œuf de pieuvre terrestre.
Ok, c'est pas mal avec eux. Je pense qu'ils nous aident beaucoup à les déstabiliser, les bestioles. Parce qu'ils font que des tirs en continu. Yes. Pas le feu. Oh, on peut couper des morceaux. Oh merde. Ah, elle est en train de bouffer. Oh putain, elle se régène. En bouffant, en se bouffant elle-même. Bien, 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 bien. Merci. Hey. Ah, elle dit hey. Là, Stéphane. Par contre, la grotte, elle était... Ah, elle était là. Attends, quoi? Je vois un truc, en fait. En fait, il n'y a rien. Grotte marine. C'est l'heure de l'aventure. On a toujours la torche qu'on peut... Elle est où la torche? Elle est là. Ouais. Cool. On va pas la prendre parce que nous on s'en fout, on a la lampe. C'est quoi? C'est des... Ah, des sortes de gobelins là. Il y en a un là. Oh, fauchon. Là, c'est une scimitar, ça. Attends, on va se replacer là. Près de l'entrée. C'est pas mal pour nous. Mais j'aime pas du tout, en fait, le mouvement. Mais on peut l'utiliser, vu qu'on est Dex. Hélas. Il y a pas mal d'enchaînements, c'est pas mal. Après, elle est jolie, hein. Pas mon kiff, mais c'est sympa.
Après, on pourrait descendre là ou on descend par le en tombant. C'est quoi, il y a une marque par terre. Toucher la marque d'invocation dorée. Oh, c'est pas le chevalier qui est devenu fou. Qu'on a combattu là, que j'ai dû fuir. Istvan, le vieux chevalier. Je pense que c'est lui. J'imagine qu'on va faire beaucoup de combats là. Oh. Qu'est-ce que tu fais ? Bien. Où est-ce qu'on va? On continue? Ah, c'est vraiment une zone en fait avec plein de monstres et tout, c'est cool. Par contre, moi j'ai mes deux machins là qui font un peu nawak. Eh! Eh, on se bouge! Oh là là, bon, ils réapparaîtront à côté de moi, je pense. Meurt le NPC parce que c'est peut-être nécessaire qu'il soit en vie pour une quête. Nécessaire de couture. Aiguille de couture. Ah, il est déjà parti. Ok. Ah, ça c'est un truc à ma hauteur en fait. Même seul on aurait pu retourner à l'entraînement. Même seul, on aurait pu le faire. C'était sympa. Corde. Pion flamboyant. Oh merde. Bien. C'est marrant qu'ils donnent des fauchons. C'est ce qu'ils utilisent. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils utilisent en fait. Après on a une aiguille en plus. Donc ça c'est pour conçu pour atelier demi-dieu. Précieuse aiguille de couture de bog, le semi-humain. Alors, permet de modifier les armures au site de grâce. Ok. Donc apparemment c'est différents types d'armures, j'imagine.
On est sur l'autre rive. Énorme. Énorme. Ça, c'est top, ça. On a plus besoin de la lampe. Attends. Ok, petit bug. Il veut pas l'enlever quand il est sur le cheval. Il fait l'animation, mais elle reste. C'est quoi ça? Et des os dans un tas de boue. Alors... Il fait vêtements. Non, on n'a pas plus. Ça, c'est de la bonne exploration. C'est cool. C'est quoi ça? Des dragons? Des gargouilles? Ah! Bon, ça va, je passe par la porte. Église de la communion draconique. Ah! Ah oui, c'est vrai qu'on a peut-être les sceaux là, les serments, c'est comme ça qu'on appelait ça? Examiner l'autel. Rituel de communion de tout. Oh, flamme draconique vous transforme en dragon cracheur de feu. C'est quoi qu'il faut? Un cœur de dragon. Vous transforme en dragon qui lacère les ennemis et ses de ses griffes. Vous transforme en dragon qui mord les ennemis face à vous. On a des habilités. J'entends un scarabée. Yes. Pierre de forge, on va faire attention de pas tomber dans l'eau parce que... Par contre, on devrait peut-être attendre qu'il fasse jour. Ce serait que j'ai toujours pas utilisé le système là pour passer le temps. Après, j'imagine que les monts c'est pas les mêmes à certains endroits, mais ouais, genre juste pour la visibilité en fait, ce serait mieux que ça soit jour. Mais bon, je crois qu'on a tout fait déjà. Tête de libellule géante, c'est quoi ça? Ça sert à quoi surtout?
tête de libellule géante, c'est un équipement? Non. Trouvable en chassant des grandes libellules, matériaux, enfin, ok, les objets, ça marche. Bon, je crois qu'on a tout récupéré ici. Ce qui est bien, c'est que, ouais, on a appris l'existence d'un coin pour dragon. C'est bien. Église de la colonie des dragons. Je crois qu'on peut partir. Oh! Il y a ça la nuit. On n'en a pas tué. Vu que maintenant on sait comment elles attaquent, ça devrait pas être très difficile. Qu'est-ce que t'as, le bouc, là? Elles deviennent rouges quand on les attaque, c'est marrant. Ça drop rien. Bon allez, on se casse. Je pense qu'on a tout fait. Faire le tour de la plage vite fait, enfin si on peut. Non, on peut pas. Je pense qu'on va avoir un gros crabe qui va nous sauter de sur la gueule. C'est bon le crabe. Ok, prochaine destination. Je crois qu'on va fouiller un peu là. Genre comme ça. Après on a ça aussi que je voudrais fouiller. On va se remettre au commencement. Et moi je vais faire une petite pause et on va continuer de fouiller la zone du début. Je pense que ça peut être sympa. On va voir s'il a rien à dire, lui. Challenge Godric the Grafted, Lord of Stormvale, to acquire the credit he may be. Worse yet, so. Ouais. On va continuer la prochaine fois.